Et Mazzu aligne la même équipe qu'en seconde mi-temps à Mons le week-end dernier. C'est-à-dire que Daf est préféré à Ederson dans l'entrejeu et que Thiaré remplace Rossini blessé à la pointe de l'attaque aux côtés de Paulet. Hein van Azebroek, lui, estime que son équipe prend trop de buts et il change donc sa défense. Trois joueurs axiaux en défense, Martin, Chano et Tomasevic. 27 minutes de jeu, Demets et Chano derrière le ballon, beaucoup de grands formats. Pavlovic est monté, tout comme Tomasevic. Santini, bien sûr, est là également. Petit ballon pour Chano qui frappe et c'est goal! Oh là là! Chano qui marque le premier but de sa carrière, je pense, en division 1 belge. Lui qui était encore il y a 8 mois sous les ordres de Felice Mazzu. Et regardez, petit ballon de Demets. Et Maxime Chano qui ne laisse aucune chance à Parfait Mandanda. Oh, il est pas hors jeu, Paulet. Et le dernier geste, il est magistral. Alors là, David Paulet, lui, il a été surclassé pendant 30 minutes dans le jeu aérien. Mais avec son pied, ce qu'il fait là, c'est un bijou. Hein. Mais regardez, le jusqu'au boutisme de François. Très bonne passe du pied gauche. Et alors là, à l'arrêt, petit lob, aucune chance pour le grand Darren Keith. Un but absolument splendide, de sang-froid, de maîtrise technique. Et Charleroi n'a finalement pas eu le temps de douter très longtemps.